arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Vidéo sur le défi mort subite. Avant de la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu car beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc vraiment abonnez-vous et merci de ceux qui le feront. Alors aujourd'hui on va pas se prendre trop la tête, d'abord c'est histoire de reprendre, vous voyez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste jouer avec mon deck principal. Ouais, c'est quoi ce mode? Non, j'ai pas acheté. Je sais pas quoi, il mode. Incroyable. Pas se prendre la tête, on va juste prendre mon main deck. Tac. Et on va partir en défilant subite. On va faire 5 victoires pour les récupérer 7 emotes. Et puis, let's go. J'espère que la vidéo va vous plaire. Voilà, on commence tranquillement comme ça. Ok, on va faire ça comme ça. Je vais avoir un beau gel ici. Parfait. Bon, la capa qui était acclétée, mais Osef. Ok, on a les Portugais Super Saiyan. Parfait. Très bonne défense de ma part. Ok. Oh, il y a un, ça c'est chiant. Inch'Allah, il a pas de tornade, hein. Petite capa et on va aller win cette première game assez tranquillement contre K2 qui joue un e-giant un peu chelou. C'est quoi l'image qu'on cherchait? Cette image j'aime beaucoup, donc on va la prendre avec grand plaisir. Allez, deuxième game contre Emperium. Allez, let's go. Bullies sont dû rater. Petit D2. Ok, c'est du ballon ou cimetière, je sais pas trop. C'est du ballon en face, très bien. On va laisser collecter hein, parce que je m'en bats un peu les couilles. Ok, on va pas laisser collecter. Et c'est GG, je pense. Je me demande comment il va défendre ça. Et voilà, deuxième game de win assez facilement, parce que le mec a forcé dès le départ. Compliqué pour lui tout défendre, évidemment. Donc, let's go. Allez, on va aller ouvrir un petit coffre de bannière. Inch'Allah, on a un bon queutru. Et je l'avais déjà, je crois. Ah non, ok, je pensais l'avoir déjà. Allez, on continue. Troisième game. On part au D2. Ok, on part en... Voilà, on partir en Wasque. Ok, parfait, c'est du ballon. Alors, ouais, si ça pourrait être patché sur ces glaces, ça serait quand même cool. Bon, on va pas se le cacher. Ok, on peut reposer, ça va le faire chier, je pense. Ok, bon. On va aller jeter tout ça. Hop. Ok, bien joué le Bubu. Ok, on va mettre un Friboulis ici. Ok, on va mettre un petit Roscoe ici pour aller récupérer toutes les petites âmes sympathiques qu'on pourrait aller choper là. Hop. Allez, on met tout. Et c'est le GG. Voilà, pour cette troisième game, assez simple aussi. Malgré les 5 victoires à faire, on va aller les faire tranquille en très peu de temps. Hop, allez, on continue, on perd pas de temps. C'est parti contre The Finisher. On va voir qui va finish qui. Allez, c'est parti, on commence très agressif. Trois squelettes, cimetière au pont.
m'étonnes même pas. Paf, si on voit ce que ici, qui... parfait. On gratte beaucoup. Et je vais juste aller recycler un petit cimetière. On va aller prendre cette victoire assez facilement. Hop. Après, je l'arme de squelette, bien évidemment. Et on va aller prendre cette game. J'étais mon prochain tour de squelette, trop drôle. Voilà, Blues qui va clear absolument tout le monde. Hein. Ça, c'est un plaisir. Ah, j'ai raté mon sens électrique. Bon, mon ref là, t'es relou. Ok, ça va le rascal qui a fait son taf là. Ah, il est giga relou. Hop, on va les prendre. On va attendre le gel tranquillement. Hop. C'est maintenant qu'on va gel. Et on a pré-shot son armée squelette deux fois d'affilée, bien évidemment, car je suis meilleur que lui. Ça, c'est une évidence. Hein. On va déprendre cette petite clé et on va partir dans cette dernière game de la vidéo. Une vidéo très très courte. Hein. Allez, Tiroscud dans le fond du terrain. Ok, Arkix. Arkix Tesla pour first play. Très très skill évidemment. On a la fruit Toto. Bon, j'ai les soutiens. Ouais, bah, toujours plus de bonnes conditions la prochaine fois. Toujours plus de conditions, hein. Cabane bélier, cauchemar kicks, ça y est, faut doser mon ref. Et je pense que c'est GG, hein, puisque vu le nombre de win conditions qu'il a, je pense pas qu'il ait grand chose pour défendre. Et le dark qui bah dégage hein, complètement. Et on va aller prendre cette dernière victoire très facilement contre ce petit Arkix. Va bélier cochon, on n'a joué que 5 cartes, c'est 6 cartes il me semble. Il n'a pas joué ses boules de feu, il n'a pas joué sa rage, il a bien joué que 6 cartes, je sais compter. GG à moi. Hop, et on va aller prendre cette petite emote. En tout cas c'est la fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'était vrai coup, ciao ciao.